Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 14 septembre 2022. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée, quels sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous êtes dans de belles énergies. Alors, quels sont les messages? On a celui-ci qui veut venir et nous avons donc le triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on ne peut pas avoir justement plus positif que ça. On nous dit vraiment que vous allez vers le triomphe, vers des récompenses. Alors, il est possible également que vous soyez récompensé pour vos efforts. Mais en tout cas, vous vous tournez vers le succès et vers la réussite. Donc ça, c'est déjà une première énergie. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Quels sont les messages pour vous? Alors, cette journée, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la reine d'épée. Et on a le 2 d'épée. Alors ici, il y a des choix à faire. Il y a peut-être de l'indécision. Peut-être que vous ne savez pas encore quelle est la décision que vous allez prendre. Il y a peut-être de l'hésitation. Mais en tout cas, on nous dit que par rapport à ces doutes, par rapport à ces incertitudes, vous allez vraiment faire preuve de lucidité, d'intelligence pour pouvoir justement sortir de cette énergie de choix, mais surtout d'indécision. On a aussi le 2. Donc le 2, c'est la dualité. Il peut être question aussi de s'engager dans un projet, de s'engager dans une relation. Mais on a quand même ici des incertitudes qui sont présentes. Alors, on va voir ce qui se passe. J'ai des cartes qui s'accrochent entre elles aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va faire notre tableau de 9. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons le diable. Alors, il me semble que c'est une énergie qui est ressortie pour la journée en cours, justement. Donc, le diable, ça va vous inviter à vous détacher de vos chaînes. Ça peut être aussi tout un travail qui est fait de libération par rapport à des dépendances, que ce soit des dépendances affectives, que ce soit la dépendance par rapport à une personne, par rapport à une situation ou à des substances. En tout cas, quelle que soit l'énergie, ici, on voit vraiment que vous revenez à l'intérieur de vous, que vous faites le point également. On a vraiment cette lucidité, cette clairvoyance qui vous accompagne dans le fait de pouvoir vous libérer, vous détacher de quelque chose qui a pu créer une emprise. Alors, ça peut être aussi, effectivement, quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui a créé une emprise pour vous. On a le 5 de coupe, donc ici on voit qu'il peut y avoir également beaucoup d'émotions, peut-être des regrets. Alors ça peut être une énergie aussi en effet miroir, mais on nous dit qu'il y a peut-être un sentiment de libération émotionnelle également. Alors nous avons le 5 de denier, on a la carte des amoureux, on a le 3 de coupe, on a le 7 de denier, on a le 4 de coupe, le 2 de coupe, on a le pendu, on a la reine d'épée et on a la lune. Donc ici, on est beaucoup dans les émotions. On a beaucoup de cartes de coupe. Donc effectivement, on nous parle beaucoup de vos relations, de l'amour que vous partagez avec une personne, peut-être d'une rencontre amoureuse qui va être assez importante pour vous. Mais ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec une personne, que ce soit un proche, que ce soit un ami. Ici, on parle vraiment des relations. On commence avec le 5 de denier qui est juste à côté de la carte des amoureux. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui crée un sentiment de manque. Alors peut-être que vous pensez à une personne, peut-être qu'il y a un manque qui est présent. Et par rapport à ça, vous souhaitez faire un choix, vous souhaitez prendre une décision. Ça peut être aussi une décision qui vient de la part de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous dit ici qu'il est question de peser le pour et le contre pour pouvoir vraiment faire un choix. On a aussi le 3 de coupe ici qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration. Donc on peut nous dire également qu'il va y avoir un événement qui va être fêté sur le plan affectif. Ça peut être aussi des retrouvailles. Mais on a cette notion en tout cas de fêter quelque chose, de célébrer un moment important.
Ça peut être aussi des festivités. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être un moment important dans votre vie. Mais on a en tout cas ici des émotions assez puissantes. Nous avons le 7 de deniers. Donc ici, on voit que vous attendez que vos efforts puissent être récompensés. Donc il y a une certaine impatience justement au fait que les choses puissent se matérialiser concrètement. Il y a une attente en tout cas qui ressort. Vous regardez tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, tout ce que vous avez mis en place et vous attendez justement que vos efforts puissent fructifier, si je puis dire. On a aussi le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, il va faire référence à un ennui. Alors peut-être que justement, il y a une certaine routine, peut-être que vous avez envie de sortir de l'ennui, de changer certaines habitudes, de sortir vraiment de votre zone de confort. Et dans ce qu'on nous dit ici, ça peut concerner une relation. Ça peut nous dire vraiment que vous avez envie de nouveauté dans une relation parce qu'il y a un sentiment de manque. Alors ça peut être le manque par rapport à quelque chose en particulier. Et on voit vraiment ici, on a ces deux personnes qui se retrouvent avec le 2 de coupe, ces mêmes personnages. Donc ici, effectivement, on va nous parler d'une rencontre amoureuse, on va nous parler aussi de beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents dans une relation. Et j'ai le sentiment que vous ou la personne de votre cœur, vous êtes amené à faire un choix. Ça peut aussi nous parler de partenariat. Il peut être question ici de s'associer avec une personne, de faire le choix de s'engager dans un projet, puisqu'on a aussi vous et un projet, vous et une personne. Donc il peut y avoir des communications en face à face, il peut y avoir des échanges aussi qui vous permettent justement d'aller vers une nouvelle direction qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Nous avons le pendu et la reine d'épée. Là, on a des énergies très différentes puisqu'on voit que vous êtes dans une certaine attente, mais vous avez aussi envie de vous libérer du sacrifice. Le pendu peut faire référence à une situation qui est peut-être bloquée, qui demande justement une certaine patience, une certaine analyse. Et on a la reine d'épée juste à côté. Donc, on voit que donc cette carte était ressortie à la coupe. Donc, on voit énormément de lucidité. On voit que vous réfléchissez à vos décisions de manière très mature pour pouvoir justement aller au-delà de cette période d'attente. Donc il y a beaucoup d'attentes face à vos projets, face à une situation, face à une personne. Et nous avons également la carte de la lune. Donc la lune va montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui va avancer assez rapidement, que vous allez sortir justement de cette période d'attente, qu'il peut y avoir également beaucoup d'émotions dans une relation, dans un partenariat. Il peut y avoir effectivement beaucoup d'intuitions qui vous guident et qui vous aident à éclaircir les énergies que vous traversez actuellement. On a une carte, une arcane majeure, deux, trois arcanes majeures. Ici, on est dans quelque chose de très intérieur, de très profond. On réfléchit, on fait le point, on lâche prise par rapport à certaines énergies. On analyse aussi une situation en profondeur pour pouvoir changer certaines choses, pour pouvoir peut-être changer des habitudes de vie, sortir de sa zone de confort également. Et on se détache ici de quelque chose qui nous bloquait, d'une emprise émotionnelle, de quelque chose qui peut-être vous ralentissait dans vos projets. Le diable peut aussi faire écho à tout ce que vous possédez. Et en fait, cette carte va vous inviter à vous détacher et à vous sentir libre, à pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Donc j'espère que ce premier tirage résonne en vous, je l'espère de tout cœur. On va continuer, on va voir ce que nous dit les 77. Quels sont les messages pour vous ? Alors, quels sont les messages pour la journée qui arrive ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'île, des vacances, et on a la clé. Un temps de repos, un temps de réflexion qui apporte la solution. Une situation qui se débloque après avoir pris du recul, après avoir fait le point. Alors effectivement, ça peut représenter des vacances. Peut-être que justement, vous allez trouver la solution ou vous avez trouvé une solution pendant une période de vacances. Mais ça peut nous dire aussi que vous allez avoir besoin de faire le point. Vous allez vous retrouver, vous allez réfléchir par rapport justement à des solutions qui doivent être trouvées. On a l'automne, on a également l'harmonie. Donc ici, on a des solutions justement qui vous permettent de retrouver l'harmonie, de retrouver la sérénité et de pouvoir vous connecter à des énergies beaucoup plus sereines.
Donc c'est comme si vous alliez vous retrouver. Alors, l'image qu'on peut nous donner, c'est le fait d'être sur une île et de réfléchir, de faire le point, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir analyser les choses. Alors, oups là, on a le nom. Alors, peut-être une attente par rapport à une somme d'argent. On va regarder ce qui ressort. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a l'amitié. Donc ici, on nous parle de complicité. On voit un cadeau qui peut venir de la part d'un ami, d'une personne de confiance. On retrouve un équilibre dans une relation amicale. Vraiment, ici, on nous parle de partage. On nous parle aussi d'ouverture par rapport aux personnes qui vous entourent. Nous avons la carte de la guitare. On a le surmenage. On a le H. On a le travail. On a la connaissance, on a la maison, et enfin nous avons le labyrinthe. Alors ici on cherche des réponses, on cherche à sortir pardon, d'une situation de surmenage, d'une situation peut-être de fatigue, d'inquiétude, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. On peut nous parler d'apprentissage au niveau professionnel, alors ça peut être le début d'une formation, ça peut être aussi un apprentissage dans le cadre professionnel. Et on a aussi la carte, je vais y arriver, la carte de la maison qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi de concret, de base solide dans ce que vous vivez. Donc il est question ici pour vous de chercher l'issue d'une situation. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez le savoir, vous avez la connaissance pour pouvoir justement retrouver un réel équilibre dans vos projets. Il est question en tout cas de quelque chose qui va être beaucoup plus stable et qui va vous permettre de trouver l'issue d'une situation. On a aussi quelque chose pour lequel vous êtes très investi, donc beaucoup d'efforts que vous entreprenez, beaucoup d'investissements de votre part qui fait que justement, vous allez vous sentir rempli d'énergie et vous allez pouvoir laisser parler votre créativité, puisqu'on nous parle aussi de quelque chose de créatif, beaucoup d'inspiration peut-être par rapport à un projet, par rapport à une activité. On peut nous dire que vous allez avoir de nouvelles idées, que par rapport à ça, vous réfléchissez énormément sur le plan créatif. Vous avez une inspiration qui est très présente, mais peut-être que vous vous questionnez, peut-être que vous êtes en période de réflexion justement sur de nouvelles idées, sur un nouveau projet créatif. Je vais juste recouvrir les deux cartes ici pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous disent. Oui, on voit qu'il va y avoir un soutien. On voit que vous allez recevoir une aide. Alors, ça peut être aussi une aide de vos guides, de l'univers, qui va vous aider justement à retrouver cet équilibre et à pouvoir sortir d'une situation de surmenage. Ça peut être aussi de la fatigue. Hein. Peut-être que vous vous sentez fatigué, épuisé et que justement, il y a une aide. Il y a quelqu'un qui vous tend la main et qui va vous aider à avancer. Par rapport à ce labyrinthe, nous avons l'œil fermé. Donc on a dû fermer les yeux par rapport à des épreuves. On a dû aller au-delà d'une situation. Et peut-être qu'il y a un événement qui a tellement été difficile que vous avez dû justement dépasser les obstacles et les blocages. On a un coup de téléphone qui va amener une progression. Alors là, on a des cartes juste magnifiques. On nous parle d'engagement, de signature. Vous pouvez recevoir un coup de fil de la part d'une personne, de la part peut-être de quelqu'un qui est important pour vous, des communications qui vont amener un engagement important. Donc voilà les amis, les messages des 77. Alors on va voir maintenant au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Alors, quels sont les messages? Alors, on va faire une coupe. À la coupe, on a la carte de la croix. On a le trèfle. Alors ici, on voit qu'il y a une très forte connexion au niveau spirituel pour vous. Il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup d'énergie qui vous guide au niveau de votre vie spirituelle. Et on vous parle d'une opportunité. Ici, on vous parle de quelque chose qui va changer parce que vous allez avoir un coup de pouce. Vous allez avoir une aide, un soutien peut-être
pas forcément visible, mais qui va vous aider justement à avancer, peut-être dans une situation de fardeau. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous ? Au niveau amoureux, nous avons la lettre, donc des nouvelles, des écrits de la part d'une personne, des communications qui arrivent avec du retard, qui étaient peut-être bloquées, il y avait peut-être justement un blocage dans la communication. On va voir ce qui ressort. Nous avons le lys, nous avons les nuages, on a la carte de l'arbre, on a la consultante, on a le trèfle et on a la verge. Alors ici, on a vraiment comme un coup de foudre ici. On a le trèfle, on a les nuages, donc c'est comme s'il allait se passer quelque chose, un événement dans une relation qui va amener beaucoup d'énergie, qui va amener beaucoup de passion, beaucoup d'attirance, de connexion. On peut nous parler aussi d'attirance sur le plan charnel. Ici, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Donc la verge va représenter le désir, va représenter également cette connexion que vous pouvez avoir au niveau amoureux. On a aussi quelque chose d'officiel qui se met en place. On voit qu'il peut y avoir des incertitudes. Peut-être que vous êtes en période de questionnement, il y a un doute, il y a quelque chose qui est flou. Mais vous allez sortir de ces doutes, de ces incertitudes pour aller vers l'énergie de l'arbre, donc vers la stabilité, vers l'ancrage. Donc dans ce que l'on nous dit ici, il peut y avoir des incertitudes dans une relation, peut-être dû à des conflits ou des conflits intérieurs aussi. Mais on voit ici que vous allez vers plus d'ancrage. On a aussi la consultante, donc ici ça peut représenter votre énergie si vous êtes une femme. En tout cas, on nous dit que vous êtes très connectée à vos ressentis, à vos intuitions, et ça va vraiment vous aider justement à avoir des réponses. On a quelque chose qui arrive vraiment et qui va permettre en tout cas de changer les choses, de transformer une situation. Ça peut aussi être un coup de foudre pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte du soleil. Et nous avons le cœur. Donc ici, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter. On voit quelqu'un qui est vraiment tourné vers le positif, vers l'abondance. On voit également que cette personne a beaucoup d'amour justement à vous transmettre et se sent très connectée à ses émotions. On peut nous dire également que la personne de votre cœur est beaucoup connectée à ce qu'elle ressent, à ses sentiments, à l'amour qu'elle peut vous transmettre, à l'amour aussi qu'elle peut se donner. Donc il est question vraiment ici de se réaligner à son cœur. Donc cette personne est vraiment connectée au niveau émotionnel, au niveau des émotions, des sentiments qu'elle ressent. Dans votre état d'esprit, on va voir ce qui ressort. On a la tour et on a la carte du mont. Alors, on voit ici que vous êtes... Je vais juste régler un petit souci de porte. Alors les amis, je suis de retour, il y avait un petit courant d'air, donc j'ai réglé le petit souci. Donc ici, dans votre état d'esprit, on nous parle d'une période de réflexion. On voit que vous êtes en train de faire le point. On voit également que vous avez une nouvelle vision sur ce que vous vivez. Et il y a peut-être des blocages. Alors soit vous ressentez une certaine solitude et c'est quelque chose qui vous bloque. Soit on nous dit aussi que vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages qui peuvent être présents. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Pour les couples... Nous avons la carte de l'étoile et nous avons le cavalier. Donc ici, on a une personne qui vient vers vous. Alors ça peut représenter effectivement la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui est serein, sereine. Une personne qui va vous apporter vraiment beaucoup d'apaisement. Une personne qui vient vous transmettre un message qui va vraiment vous permettre d'aller vers vos rêves et vers vos espoirs. On voit aussi que vous êtes énormément guidé dans votre relation. Il y a une belle protection avec vous. Et on a aussi des choses qui avancent rapidement avec le cavalier. Il y a du mouvement, il y a une envie de bouger, il y a une envie aussi de mettre en place justement quelque chose de très rapide. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la faux et nous avons les souris. Alors, pour les personnes célibataires ici,
il y a une décision qui vous tient à cœur. Et vous avez envie de récolter quelque chose que vous avez entrepris jusqu'à présent, que vous avez mis en place. On voit qu'il peut y avoir des inquiétudes. Il y a peut-être du stress ou il y a peut-être une situation qui vous ronge intérieurement. Et je pense que par rapport à ça, justement, vous allez pouvoir couper. Vous allez pouvoir prendre une décision qui peut-être n'est pas forcément simple, mais qui va vous permettre de vous libérer d'une situation de stress et d'inquiétude. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la croix, nous avons la lettre. Alors ici, on a des communications, on a des écrits. Alors ça peut être justement des nouvelles de la personne de votre cœur. On peut nous parler d'un message, d'un SMS, d'une lettre. Mais en tout cas, c'est une nouvelle ici qui va certainement permettre d'éclaircir une situation de poids, une situation de fardeau. On voit aussi qu'il peut y avoir des communications très spirituelles avec une personne. Il peut y avoir des échanges justement où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup d'énergie forte qui ressort par rapport à votre lien. Donc voilà les amis ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Alors maintenant on va voir ce que nous disent les breloques. Nos chères breloques, on va voir les messages qu'elles nous transmettent. Oups, on a les petites cloches qui ressortent ici. Donc les petites cloches ici vont nous parler de messages, peut-être d'un son, d'une musique que vous allez entendre qui va vous transmettre certaines informations. On a aussi la salamandre, donc ici on voit quelque chose qui va porter bonheur. On voit également que vous êtes dans une période de changement par rapport à votre vie, à vos projets. Nous avons aussi le canard qui va nous indiquer ici qu'il y a quelque chose de précieux pour vous. Alors ça peut être une relation qui est précieuse, ça peut être un projet, une situation en particulier. Au niveau de votre foyer, on a beaucoup d'amour dans votre foyer. On a beaucoup d'amour, on nous parle aussi de votre maman. Alors on a vraiment ici une belle énergie qui se dégage des énergies des breloques et de vos énergies également. On peut nous parler d'un lien très fort entre vous et votre maman. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous aime et qui a une énergie très maternelle, très protectrice. On a des nouvelles, des communications avec une personne qui ressent beaucoup d'amour et pour laquelle vous ressentez aussi beaucoup d'amour. Et on a quelque chose qui avance lentement et sûrement puisqu'on a aussi la tortue de mer. Au niveau d'un voyage, on a le signe du poisson. Alors, il peut être question d'un voyage justement avec une personne qui porte ce signe. Ça peut nous indiquer aussi un voyage qui va être rempli d'émotions, qui va vous connecter à votre sensibilité. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes protégé. On voit ici que s'il y a des blocages, des situations de retard, il y a une protection qui est avec vous. Au niveau de la famille, on a le dragon. Donc ici, on nous parle de transformation, on nous parle aussi d'énergie, de puissance également. Au niveau professionnel, on a des nouvelles, des messages qui viennent vers vous, certainement quelque chose de rapide. Donc ça peut être aussi une personne qui vous donne des nouvelles, ça peut être des réponses que vous recevez par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau financier, on voit que vous allez être énormément guidé, vous allez avoir beaucoup de messages. Peut-être justement, vous allez recevoir des messages qui vont être des synchronicités, qui vont vraiment vous apporter des informations importantes. On nous parle d'un coup de chance. Alors là, je pense qu'on nous dit qu'au niveau financier, il peut y avoir une somme d'argent que vous n'attendiez pas forcément ou en tout cas une somme d'argent inattendue. Et nous avons aussi la licorne. Donc la licorne, c'est quelque chose de magique pour vous sur le plan financier. Et au niveau central, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité concernant un homme. Donc peut-être par rapport à un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, on nous parle de chance. Donc voilà les amis, les messages que les breloques nous transmettent. Alors on va voir aussi quels sont les messages des anges pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste et l'œil de tigre. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quels sont les messages pour vous.
Alors, on va commencer par l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment créer un bouclier contre les angoisses, les peurs, les craintes. Et c'est une pierre qui peut vous aider aussi à vous souvenir de vos rêves. Donc, vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour pouvoir vraiment avoir des réponses dans vos rêves. On a la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc ici, on vous dit que votre sensibilité, c'est aussi votre force et c'est quelque chose auquel vous pouvez vous connecter intérieurement. Et on va voir le message pour l'œil de tigre. Donc cette pierre est juste magnifique. L'œil de tigre, c'est une pierre qui va être un bouclier contre les énergies négatives, contre la jalousie, contre le mauvais œil également. Donc c'est une pierre qui va vraiment libérer les énergies négatives. Nous avons pour vous le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. On vous dit ici que les réponses sont à l'intérieur de votre cœur. Donc effectivement, ça peut être un message en lien avec vos relations, en lien avec votre vie amoureuse. Et on vous dit vraiment que vous allez trouver les réponses à travers vos émotions et à travers surtout votre cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.